et 001 TV 0. Miss Louise sues Miss Cynthia for inappropriate waste disposal and verbal harassment. My lord. Mrs. Cynthia, right? How old are you? 31. What do you work with, you mean? I'm a teacher. A teacher. Can you be a story of what happened between you and Mrs. Cynthia? My lord, every morning time when I woke up from bed, come up for outside, I want to go from my apartment and see the tea. Every morning time. So when I asked my neighbor, they know my neighbor accepted that it's real. So I'm promising myself to it. I must find out best they ever can dump that it from my door. So if this yesterday morning time, around 4 p.m., I woke up, I opened my blind. I want to see the madam. Look all side, let's say they trade the thing. Now my front apartment, find the need to come trade the thing for them. I want them to talk grand on me. Okay? If I pass all the apartment, all my front door, come, dump out of my front door. I come out, I say, good room, Marie, I don't like problems. But yeah, my people will all kill it. And I ask you, the madam, say, why you dump the thing here now? He said, he insulted me. So I bet now I ask him, I tell him, you carry all the dirty. I tell him, you carry all the dirty. Including even without any beer, no one knows crap because I bet they're ready to kick off for me. Mrs. Cynthia. Oui, monseigneur. How old are you? J'ai 21 ans. 1 year. What do you do for a living? Je suis étudiant. Please, can you give me your own part of the story? Ok, mais est-ce que monsieur le juge m'a passé la parole? Les accusations de cette dame est vraie. Mais ce qui s'est passé le jour là, c'est que d'abord je suis nouvelle dans le quartier. Okay. Donc je ne connais pas tellement les règles du quartier. Et je me suis réveillée le jour à 4 du matin. Il y avait des ordures à la maison. 4 heures du matin. Pour aller, vider, puisque je devais me préparer pour aller à l'école, puisque ma distance est longue. Donc, je sors souvent vers 5 heures pour aller à l'école. Et j'ai donc décidé d'aller vider, parce que je vois souvent les ordures là-bas. Et quand je suis là-bas, je vois quelqu'un derrière moi, elle me tire. Attends, ça a été quoi, tu es nouvelle? Oui, monsieur. Là, je suis dans l'environnement. Dans l'environnement. Ok, continue. Là, quelqu'un me tire, elle commence à me brutaliser. Pourquoi est-ce que je dois. Et je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça à cette pareille. Donc j'ai maintenant dit que mais il y a des ordures ici là. Elle m'a donc exigé de ramasser toutes les ordures qui sont là-bas. Et moi, sachant que c'est ma première fois de vider la poubelle là-bas, je vais l'expliquer, mais elle ne voulait pas comprendre. J'ai donc dit non, je ne peux pas ramasser ça. Elle a donc tiré mon t-shirt, elle a tiré mon t-shirt. Hey, ma mère, je n'ai pas tiré un t-shirt. Vous pouvez procéder, madame Sylvia. Et comme elle a déchiré mon t-shirt, vu le fait qu'elle était violente, elle était obligée de lancer certaines paroles, Et elle m'a dit qu'elle devait lancer un sort. C'est pas du moins pas. Lancer un sort comment? Mais elle, c'est un marabout. C'est elle qui sait. Parce que moi, je sais pas. Absolument, why you lie? Eh, hey, mamie, why you lie? Mais je le suis, j'ai les preuves pour mon t-shirt. So, Mrs. Myris. Yes, did you in any way touch her t-shirt? I did. So if you bring evidence now and it shows you really tore her t-shirt, what will you say? Are you guilty or not? You tore her t-shirt. You're guilty. Mrs. Sylvia, you are going to pay the sum of 50,000 as fine. Because you were not blind. You said you are giving this thing for more than a week. So there is no way you tell me you never saw the notice board. So you are going to pay the sum of 50,000. And Mrs. Marie-Louise, she complains about her t-shirt being torn. So you are going to pay the sum of, how much was your t-shirt? $7,000. She says 5,000. So
So you are going to pay the sum of 5,000. I rest my case. Oh!